Hello, hello, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Jenalal Jules. J'ai une annonce à vous faire partager et je voulais vous faire part de ce nouveau projet. Vous avez certainement entendu parler de la marque de bijoux et accessoires Stella & Dot, qui est une marque new-yorkaise d'une grande renommée et qui fait un carton. On en parle beaucoup dans la presse, dans les médias. C'est une marque qui a tapé dans l'œil des stars, des blogueuses, youtubeuses, qui va toucher un large public puisque les bijoux seront d'une véritable beauté et originaux. Je me suis lancée dans cette nouvelle aventure en devenant styliste. Alors styliste, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'appellation qu'attribue la marque Stella & Dot en tant que distributrice. Alors pourquoi cette nouvelle activité? Tout simplement, je vous répondrai que d'une part, j'adore les bijoux et que je voulais en fait allier ma passion tout en travaillant, sans me mettre à la pression et en travaillant tout à mon rythme et aussi par rapport à l'aspect financier. Je vous avouerai que j'étais toute excitée lorsque j'ai ouvert mes colliers, lorsque j'ai découvert ces petites merveilles, que j'ai littéralement flashé sur ces bijoux. Ils sont encore plus beaux qu'en vrai. Je vous propose de découvrir mes petites merveilles si vous le voulez bien. Je ne vais pas vous présenter tout ce que j'ai reçu, je vais en garder un petit peu pour les prochaines vidéos. Je vais commencer par le collier que je porte, que je trouve somptueux et magnifique, c'est un véritable coup de cœur pour moi, qui s'appelle le collier Havana. Donc c'est un collier qui se porte de différentes façons, donc soit long comme ceci, ou bien je retire la petite extension qui me permet de le porter plus court. Donc ce que je trouve vraiment très, très bien pensé, c'est qu'on peut porter le collier de différentes façons, et pas que, puisqu'il est modulable. C'est-à-dire que déjà d'une part, comme je vous le disais, on le porte soit long ou court, ou bien on peut retirer ces pièces-là, et soit le porter comme ceci, ou bien faire un peu plus sobre, un peu moins imposant, ce qui donnerait ceci. Ce petit collier rétro est en plaqué or vieilli, donc c'est pas du toc, hein, avec un fermoir mousqueton et qui est composé de pierres cabochons de couleur crème. Les pierres sont très jolies, portées avec ce haut qui vient de chez Pinky. J'aime beaucoup, ça reste bien dans les tons, il est tout de suite mis en valeur. Super pour ce collier modulable qui facilement peut changer votre style. Donc il se porte de différentes façons, donc voilà. Il faut savoir que tous les bijoux sont créés artisanalement en plaqué argent, en or, en bronze, en pierre semi-précieuse. Ce n'est pas du toc. Vous ne risquez pas de choper des allergies avec ça. Il n'y a pas de plomb non plus. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que la moitié de la collection est à moins de 50 euros. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour cette gamme de bijoux haut de gamme, parce qu'on part quand même sur du haut de gamme. Parce que ça vous permet d'avoir un bijou à partir de 19 euros qui ne soit pas du toc. Là, on part quand même sur une gamme, une haute gamme, qualité irréprochable. Et les bijoux sont uniques. Ce sont des exclusivités, puisqu'un tiers de la collection est modulable. Comme je viens de vous le montrer avec le collier Havana, c'est un petit plus, ça vous permet en fait d'avoir un bijou que vous pouvez associer selon votre style, selon votre humeur. Il y a des bijoux qui sont modulables de différentes façons jusqu'à 7 fois. J'ai vu notamment un collier qui était un 7 en 1, donc imaginez 7 colliers dans un. C'est vraiment un concept bien pensé et unique qui sait rester original. Donc ce magnifique collier Havana a été livré dans un joli packaging comme ça, une boîte cadeau. Tous les bijoux que vous recevez sont livrés dans des boîtes, de jolies boîtes comme ça, et très bien emballées, puisque lorsque vous ouvrez la boîte, vous avez une mousse et vous avez le collier qui est juste en dessous. Donc la mousse qui permet de protéger le bijou. Les boîtes sont trop belles. Voilà, votre paquet cadeau est déjà fait si vous voulez offrir un petit cadeau. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est toujours avec un joli emballage, et celui-ci, ça s'ouvre comme ça avec une mousse, donc qui est le bracelet Lola 2 tours, donc qui se présente comme ceci. Encore une originalité,
puisque dans cette longueur-là, vous avez trois bracelets. Donc c'est un bracelet qui est modulable, qu'il soit pour petit ou grand poignet. Vous avez de quoi ajuster avec un petit bouton, avec une petite lanière en cuir. Voilà, et je vais le régler avec la petite lanière en cuir et le petit bouton. Donc voilà, je vais pousser cela. Ce sont des perles neutres, argent, vous avez du cuir, franchement magnifique. Il met tout de suite en valeur le poignet et vous pouvez l'associer avec plusieurs bracelets qui lui donneront une certaine largeur et qui peut être assez joli aussi, quoi. Ensuite, on va rester à cette hauteur-là parce que je vais vous présenter cette petite boîte, cette jolie boîte qui renferme une bague. Donc, toujours bien emballée avec la mousse. C'est la bague Mélie que j'ai choisie en argent brillant. Donc elle existe aussi en doré et qui est ajustable. On retrouve deux tailles SM ou ML, sachant que moi j'ai pris SM, que je peux la porter comme ceci, ou un doigt plus petit que je peux ajuster comme je veux. Donc elle est vraiment très 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 jolie. Alors on retrouve trois anneaux, un sur deux qui est rond, et vous retrouvez deux autres qui ont une forme différente. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Deux en fait qui sont presque octogonaux. Elle fait tout son effet, elle est trop trop belle. Donc c'est un bracelet en argent que l'on peut retrouver également en argent sterling ou plaqué or. Ils sont personnalisables, c'est-à-dire que vous pouvez soit choisir d'y inscrire une date, un prénom, des initiales, vous faites ce que vous voulez. L'avantage c'est que lorsque vous commandez ce bijou, vous pouvez choisir votre police de caractère. Donc c'est un bracelet qui est ajustable. Donc voilà, il est assez fin, ça peut être un cadeau à offrir pour une communion, même pour Noël, pour un anniversaire, vraiment très très mignon. Donc j'ai aussi un petit collier personnalisable, une chaîne assez fine que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. J'ai découvert cette marque et je ne regrette pas, ils sont vraiment au top, ils sont en termes de qualité, ils sont hyper exigeants. À savoir, il y a près de 500 références que vous pouvez retrouver sur mon site, puisque maintenant j'ai un site que je vous insérerai en barre d'infos. Ils offrent d'autant plus un service client 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et une livraison rapide et des retours gratuits. Donc autant vous dire que c'est un excellent point. J'ai fini de vous présenter une partie des bijoux que j'ai reçus. Je vais vous expliquer maintenant comment cela fonctionne pour être styliste. Alors comment ça se passe? En fait, le fonctionnement de la marque est de trouver une personne, une hôtesse, qui puisse vous recevoir chez vous. Elle invite de son côté des amis, des collègues, de la famille. Moi, je débarque avec tous mes bijoux que je vais présenter sur une jolie table, par exemple. Et toutes les clientes ont l'occasion de pouvoir toucher le bijou, de le porter, de le tester. C'est en fait une réunion entre filles. C'est ce que l'on appelle un trunk show, qui vous permet de passer un bon moment, de découvrir de nouvelles personnes, de faire de jolies découvertes, Stella & Dot. Je réponds également aux questions. En fait, c'est ni plus ni moins que de la vente. Ce qui permet à l'hôtesse de pouvoir bénéficier de plusieurs avantages, tels que d'obtenir un bijou gratuit, d'avoir également moins 40% sur un bijou par exemple. Lors du trunk show, des filles peuvent très bien devenir stylistes par la suite. C'est faisable. C'est une superbe communauté de filles où on passe un super moment. C'est vraiment quelque chose de chaleureux. Donc voilà, je vous réserve mes autres bijoux dans une prochaine vidéo.
Et pour clôturer cette petite vidéo, j'ai décidé d'organiser un concours pour fêter ma nouvelle activité et m'encourager surtout à relever ce challenge. Je vais vous faire gagner un bijou que vous choisirez dans ma boutique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, à la hauteur de 50 €. Alors donc c'est moi qui paye ce bijou. Le concours prend effet à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 7 septembre 2016 à minuit. Donc bien entendu, pour pouvoir participer, il faut être abonné à ma chaîne. Après avoir 18 ans, demander l'avis quand même à papa et maman, mais oui. Je crois avoir fait le tour. Ah oui, j'oubliais que le concours est ouvert à la France. Donc voilà, je suis très contente de vous avoir partagé ma joie, mon excitation par rapport à ma nouvelle activité. Je voulais vous en faire part parce qu'on est une communauté et puis parce que vous êtes mes abonnés et puis je tenais à vous en informer aussi. Et puis parce que je vous aime bien. Donc voilà, voilà, voilà. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye! Donc c'est une revue née jolie encore une fois. J'ai choisi des articles sur leur boutique en ligne. Donc c'est parti!